Factory Lab, c'est un hôtel à projet d'innovation positionné sur la thématique de l'usine du futur. Donc son objectif, c'est d'apporter des solutions technologiques au monde industriel afin d'optimiser leurs outils de production. Les systèmes numériques intelligents sont aujourd'hui partout dans notre environnement. Ils accompagnent nos loisirs, nos vies professionnelles, les infrastructures qu'on utilise tous les jours. On s'intéresse ici à s'occuper, à regarder, à monitorer les différentes informations dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des composants, des objets qui sont embarqués sur des structures volantes, roulantes, dans l'usine bien entendu. La singularité de l'approche du CEALIS est surtout sur la globalité de l'approche depuis les données jusqu'aux connaissances et aux services à valeur ajoutée qu'on peut produire grâce à ces données. Les outils d'ingénierie logicielle et système représentent un enjeu crucial pour le déploiement du numérique dans l'usine du futur. Les enjeux en réalité virtuelle sont importants au sens où les technologies évoluent très très vite, se démocratisent, on voit apparaître des casques, c'est des systèmes qui ne coûtent pas cher, des moyens de tracking issus du jeu vidéo. Et donc la réalité virtuelle et les maquettes numériques sont de plus en plus présentes chez nos partenaires. Certains estiment qu'il y aura jusqu'à 80 milliards d'objets connectés en 2020. Pour nos partenaires, c'est l'opportunité d'optimiser leurs processus ou d'offrir de nouveaux services à leurs clients. Cette plateforme d'Oseo est un outil unique en Europe qui rassemble tous les acteurs de la radiothérapie et qui permettra de se positionner au niveau international et de rassembler tous les acteurs du domaine. Toutes ces technologies vont contribuer à utiliser ce backbone digital et les rendre utiles et concrets et pouvoir faire une différence réelle dans les usines et dans l'industrie en général. Et l'idée, c'est d'ensemble, d'innover pour l'industrie du futur.